Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très particulière puisque je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, il s'agit d'une vidéo de magie. Alors aujourd'hui je vais aller à la rencontre d'un magicien qui a également une chaîne YouTube, il s'appelle PrestiGamer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et il va devoir m'impressionner avec ses tours de magie. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il m'a préparé, on va tout de suite à sa rencontre, c'est parti. Ok, parfait. Alors Claire, aujourd'hui j'ai prévu un numéro très spécial pour toi. Mais avant ça, je vais te faire un autre petit tour de magie. Tu vois ici, j'ai ici un jeu de cartes que pour l'instant je vais pas ouvrir, mais je vais retirer l'âme du jeu de cartes comme ça, ok? Je vais la mélanger comme ça. Ok, alors on peut faire des mélanges. Tu peux la mélanger si tu veux, vas-y, mélange vraiment, c'est très important. Voilà, tac, pour ne pas faire tomber de cartes. Nickel, tu peux me le rendre. Tu vas choisir une carte, tu vas la prendre et tu vas penser très fort à ta carte. Donc tu penses à une carte, celle que tu veux. C'est bon, bon, tu peux la montrer à la caméra, mais ça ne servira pas à grand chose parce que pour l'instant elle est que dans ton esprit, ok? Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas la mettre à l'envers, donc je ne regarde pas, et tu vas la remettre dans le jeu. C'est bon? Je mélange encore un peu les cartes et je remets les cartes à l'intérieur du paquet, ok? Est-ce que pour la première fois, tu peux me dire, pour que tu puisses le dire à tout le monde, parce que pour l'instant, bon, ils n'ont pas pu trop voir ta carte, quel est le nom de ta carte, la carte que tu as tirée? La Dame de cœur. La Dame de cœur? C'est la Dame de cœur, ok? J'ai ici mon paquet de cartes, ok? Je vais l'ouvrir, c'est la première fois que je monte, j'ai rien dans les mains. Je vais ouvrir le jeu et on va regarder à l'intérieur du jeu de cartes. Tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'autres cartes. C'est bon? Non, il n'y a rien. Et ici, si on regarde, il y a une seule carte qui est à l'envers parmi toutes les autres. Est-ce que tu peux la prendre, la regarder et la montrer à la caméra? C'est la Dame de cœur. On va enchaîner avec un deuxième tour et là j'ai avec moi un jeu de cartes un peu plus particulier que celui que j'avais avant. Je peux vérifier toujours qu'il n'y avait pas de cartes à l'intérieur, ok? Et dans quelques instants je vais te faire choisir une carte, mais avant je te montre un peu la particularité de mon jeu de cartes, c'est qu'au dos de chaque carte il y a un numéro de téléphone. Tu vois par exemple, bon là je ne vais pas tout lire, 06 82 63 06 12 95. Je vais d'abord te faire choisir une carte, ok? Et ensuite, tu feras un deuxième choix juste après. Donc là, je passe les cartes et quand tu le souhaites, tu me dis stop. Ok? Bon, avant l'entente du jeu, quand même. Stop. Celle-là ou celle-là? Celle-ci. Celle-ci, est-ce que tu peux la prendre et la retourner, s'il te plaît? Tu vas toucher une carte qui te fait plaisir, une carte que tu vois qui te fait plaisir. Le roi de pique, est-ce que tu peux la prendre et la retourner? On a une carte, on a l'as de trèfle et on a un numéro juste ici. Tu es d'accord, je ne t'ai pas influencé. Mmh. Tu as choisi les cartes que tu voulais. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone, s'il te plaît? Tu pourrais appeler ce numéro de téléphone-là. 07 82 ouais. 48 19. 19. Mais moi j'ai peur, je ne suis pas sûr que je vais tomber. T'inquiète, t'inquiète, tu peux appeler. Dans le pire des cas, vas-y, appelle, appelle. Dans le pire des cas, si c'est la messagerie ou quoi, je laisserai un message pour m'excuser. J'espère qu'on va bien l'entendre. On va écouter. On va plus faire de bruit. Sinon, je laisserai un message. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Madame Paris. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message, je vous rappellerai ultérieurement. Ah, au fait, votre carte ne serait pas l'âge de trèfle qu'elle peut prendre. Âge de trèfle, c'était ta carte, non? Oui. C'est la carte que tu avais choisie? Oui. C'est fou ça, pourtant. Voilà, je sais pas. Bon, je laisse pas le message du coup, parce que là. Non, j'ai rien compris. On enchaîne sur le dernier numéro, le plus gros numéro, celui que j'ai préparé spécialement pour la chaîne de Claire, que j'ai présenté nulle part ailleurs. J'espère qu'elle va être impressionnée, j'espère que ça va lui plaire, mais je pense que, vraiment que ça va fonctionner. On va enchaîner avec le dernier numéro, c'est là le numéro qui te concerne entièrement, puisque à l'intérieur de cette quêteuse, voilà c'est pour... bon voilà c'est une quêteuse, hein, je sais pas à dire de plus. Est-ce que tu peux prendre, tu vois il y a plusieurs papiers à l'intérieur, et t'en pioches quelques-uns, tu les mets sur la table, c'est pour vraiment montrer que tous les papiers sont différents. Sur chaque un des papiers, il y a une de tes vidéos qui est inscrite. Donc tu peux le lire. Voilà, je peux montrer à la caméra, il y a vraiment tout ça, il y a vraiment pas mal. Et donc là, tu peux le lire, c'est juste pour montrer. Je fais du Lego en chocolat. Donc des fois, j'ai raccourci les titres, mais bon, après, je les remets dedans. Fabriquer une coque de téléphone. D'ailleurs, toutes ces vidéos, si vous les avez pas encore vues, allez les voir. Je suis remonté assez loin encore, je suis allé loin. Un combat de boxe. Celle-là, elle est récente, je crois. Elle est récente, effectivement. 5 applications à tester absolument. Ok, donc vous voyez qu'il y a pas mal de papiers. Recettes, prank, Halloween. Et le dernier, par exemple, ils sont là. On piège des vendeurs sur le bon coin. Ce qu'on va faire, c'est que dans quelques instants, je vais te faire choisir un de ces papiers.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander de tendre la main. Vas-y, tu peux tendre la main. Et ce papier, tu vas le prendre. Et surtout, tu le garderas avec toi pendant tout le numéro. Et tu le regarderas pas, d'accord? D'accord. C'est bon pour toi. Donc, on peut remélanger un peu si tu veux. Et t'en prends un comme ça. Et tu le gardes dans ta main. C'est important que moi, je le vois pas pour le moment, ok? Je vais te faire choisir une carte. Et surtout, pareil, il faudra pas me la montrer. Donc, garde bien ta vidéo. Tu peux la mettre dans ta poche si tu as peur que je la vois ou si tu veux. Voilà, pour être sûr que je la regarde pas. Et ce qu'on va faire, c'est que comme tout à l'heure, je sors mon jeu de cartes, donc je vous montre toujours, il n'y a pas d'autres cartes à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, je vais te faire choisir une carte, donc tu choisis celle qui te fait plaisir et tu la montres à la caméra. Et surtout, je vais me retourner là pour ne pas la voir. Et tu me dis une fois que c'est bon. C'est bon. Une fois que c'est bon, tu vas la remettre, je regarde pas, t'inquiète, tu vas la remettre dans le jeu. Ok, c'est bon, et je vais même remélanger un peu le jeu de cartes si tu veux. De toute façon, on n'a plus besoin du jeu de cartes, pour l'instant je vais le ranger ici. J'ai ici un calepin. On va commencer avec la carte que tu as choisie. Est-ce que tu peux y penser très fort, ok? Tu l'as en tête? Oui. Ça va aller d'esprit en esprit, je vais essayer de... Alors je vais énoncer les cartes une par une. Je vais commencer par la couleur de la carte. C'était du pic, du trèfle, du carreau. Ok, donc surtout essayez de ne me donner aucune information. Je vais écrire en ce sens-là. Pic, cœur, trèfle, carreau. Carreau, trèfle, d'accord. Et une petite hésitation ici. Ok. Ok, donc je pense que je vais montrer à la caméra pour l'instant. Et maintenant, je vais te demander, ta carte, ça peut être de l'As au Roi, ça peut être As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet. Ok, j'ai une petite hésitation. Je pense que j'ai quelque chose ici. Est-ce que tu peux annoncer à voix haute, forte et audible la carte à laquelle tu pensais? Le 8 de trèfle, si j'ai pas oublié la carte. C'était le 8? Moi j'ai reçu le 9 de trèfle, alors c'est une petite hésitation, est-ce que c'était le 8 ou le 9? Je sais plus du tout. En réalité, c'était entre les deux, donc c'était le 8 ou le 9 de trèfle. Ok, on va regarder. Ok, parfait. Donc moi j'ai reçu le 9 de trèfle, je fais confiance à ce que j'ai reçu. Je pense, vous dans la vidéo, vous venez juste de le voir, donc vous savez quelle carte c'est. Mais je pense que la carte vraiment à laquelle tu pensais, c'est le 9 de trèfle. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai l'air si sûr de ça? Non. Depuis le début du numéro, j'ai ici dans la poche une seule carte. Est-ce que si tu veux bien prendre la carte et la montrer à la caméra et vérifier surtout qu'il n'y a pas d'autres cartes et la montrer à la caméra, la carte c'est quoi? C'est le 9 de trèfle. C'est bien, le 9 de trèfle. Il n'y a pas d'autres cartes dans ma veste? Tu peux vérifier. Hein. Non. Il fait un petit peu chaud, je vais enlever ma veste. Et donc là ça va. On a le 9 de trèfle. Mais c'est pas terminé parce que là tu pourrais te dire, bon ok là il a deviné le 9 de trèfle et tout, mais si ça se trouve il l'a vu ou si ça se trouve il a préparé un truc. En fait, je savais depuis bien plus longtemps que ça que tu allais choisir le 9 de trèfle. Tu peux sortir ton téléphone, t'as ton téléphone sur toi? Oui. Il y a quelques temps, j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube, ça n'a rien à voir, mais j'ai réalisé un vlog à Disneyland. Est-ce que tu peux aller sur cette vidéo? À la fin de la vidéo, il y a quelque chose que bon, beaucoup de mes abonnés n'ont pas compris. On va retrouver normalement la vidéo date de pas très longtemps. Et vraiment à la toute fin, même après l'outro, il y avait un petit message pour toi. Tu peux regarder la description, la vidéo est sortie je crois il y a 2 mois, donc c'était quand même il y a pas mal de temps. Tu peux me dire quelle vidéo tu as tirée là? Back to School 2017, bande annonce. T'as fait cette vidéo là, est-ce que tu peux te rendre sur cette vidéo? Est-ce que tu peux aller sur la vidéo, tu peux mettre en pause la vidéo? Oui. J'avais laissé un commentaire sur cette vidéo, et il est juste là. Est-ce que tu peux lire le commentaire s'il te plaît, et lire la suite? Clairement une super vidéo, la qualité est présente aussi, un super son, idéal à regarder avant la rentrée. Rassuré avec toi, en plus tu me donnes la pêche. Non, franchement, bravo, tu assures. Maintenant, est-ce que tu peux regarder chaque première lettre de chaque phrase et nous dire ce que ça donne? Claire. Et ensuite, lettre par lettre? N-T. N-T, ça serait pas par hasard pour le 9 de trèfle, non? Ah. Mais c'est pas terminé. Est-ce que tu peux me dire combien de temps dure la vidéo? Alors, elle dure... 41 secondes, 41 secondes. Tu te souviens, tout à l'heure, t'as choisi une carte, mmh. Et on a remélangé le jeu, t'as perdu ta carte, ok? Oui. Est-ce que tu peux reprendre le jeu de cartes? Surtout attention, on sort de tout doucement les cartes. Est-ce que tu vas compter les cartes en les retournant, comme ça on voit que toutes les cartes sont vraiment différentes? Une, et deux, compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Ne la retourne pas tout de suite, retire-la, 41. Est-ce que tu peux la retourner?
et nous la montrer. Et on a ici le 9 de trèfle. Voilà. Donc moi je crois pas au hasard, je crois pas aux coïncidences. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Allez voir la vidéo qu'on a tournée pour la chaîne de PrestiGamer. Dans laquelle tu t'es super bien débrouillé. Franchement, tu m'as bluffé, tu as appris très très vite. Exactement, il m'a appris 3 tours de magie qui pourront peut-être vous impressionner. Et c'est moi qui les réalise dans la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez la voir. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Si toi aussi tu as un talent et que tu aimerais passer dans une de mes vidéos pour m'impressionner, alors n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à m'envoyer un mail. Allez, à bientôt!